Salut à vous tous, bienvenue dans le 17e journal La Bande Dessinée spécial confinement avec un invité spécial, il nous vient d'Espagne. Si je vous dis Spirou Fantasio, les Campbell et bien sûr Zorgul, bien sûr vous avez deviné, c'est mon ami Nuera. Bonjour Nuera. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça fait plaisir de te voir. Pareil, il fait soleil c'est toi? Non, c'est un peu mitigé, il fait un peu gris aussi. Ouais, ok, d'accord. Ici, il pleut aujourd'hui, c'est dommage, mais bon. De toute façon, on ne peut pas sortir, donc... Voilà. Et toi, comment est-ce que tu vis ce confinement? Ça ne change pas grand-chose par rapport à la vie habituelle d'un dessinateur, puisqu'elle est fermée la plupart du temps. Sauf que là, on a les enfants qui sont dans la maison tout le temps. Donc voilà, ils sont au studio à travailler avec moi les matins, on prend l'ordinateur et bon. Et à part ça, bon, c'est surtout l'angoisse de ne pas savoir ce qui se passe, combien ça va durer. Mais pour le reste, la vie est plus ou moins normale. Parce que toi, tu vis en Espagne. J'habite au sud de l'Espagne, à Granada. Donc voilà, c'est une très jolie ville. Nous adorons nous promener parce que c'est vraiment une ville adorable pour se promener. On habite en centre-ville et du coup, ça fait mal de ne pas pouvoir sortir, faire un petit tour. Alors moi, dans la bande dessinée, je t'ai connu avec les aventures de Merlin, en fait, l'enfance de Merlin. Et ce qui était génial, il y a eu la bande dessinée, le dessin animé qui a existé. Tout à fait, effectivement. Ça a été fait par Belle Vision. Ils ont fait deux épisodes de spécial télé. L'un tiré, le premier était tiré d'un de nos albums, Merlin contre les Père Noël. Et le deuxième a été spécifiquement créé pour la télé. C'était Merlin contre les esprits de Halloween, un truc comme ça, je ne me rappelle même pas, ça fait longtemps. Et bon, ça a été sympathique, ça a été très sympathique de voir ces personnages bouger dans l'écran et avoir envie. Et tu as fait aussi une aventure qui est géniale, c'est Walter le Loup, où là, c'est toi qui as écrit les histoires et qui les as dessinées aussi. Tout à fait. Mais là, on n'a pas fait de dessins animés, c'est un bande dessinée. Et c'est là, j'avais fait cette bande dessinée, je venais juste de faire un truc un peu plus sérieux qui s'appelait Les Signes de la Lune, c'était un roman graphique. Et du coup, je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose, je vais me prendre trop au sérieux tout d'un coup. Donc, je vais faire la bande dessinée la plus bête du monde. Oui. et ça marchait, c'était un succès de ces points de vue. C'était génial. C'est la plus bête du monde. France, Russité. C'est vrai que ce que j'ai avec toi, c'est que tu as tous les styles de dessin. Tu connais bien aussi avec le petit Boulébi que tu as dessiné. Et c'est vrai que tu as travaillé aussi bien avec toi sur une série qui s'appelle Sortilège. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que tu as un style réaliste, mais en même temps, tu as un style qui est tout public. Disons que c'est un style différent. Disons que c'est un tranche des représentations qui va de la caricature au réalisme. Donc, je suis quelque part ici et parfois, je peux bouger un peu d'un côté ou de l'autre sans y être totalement réaliste ni totalement caricaturel. Donc, être un peu là où l'histoire me demande, pour en être au service de l'histoire, de me placer. Donc, si c'est une histoire plus sérieuse, plus dramatique, je me place plus des côtés réalistes. Et si c'est une histoire plus loufoque, plus drôle, ou plus du public, là, c'est plus des côtés caricaturels, humoristiques.
Mais je suis, à la base, je suis surtout un dessinateur humoristique, plus que réaliste. Mais j'adore les dessins réalistes. J'ai l'entourage des Ah oui. originaux, des dessinateurs réalistes américains que j'adore, des années 50, de Frank Robbins, Dan Barry, des gens comme ça, que j'adore parce que j'adore la représentation en bande dessinée, la représentation réaliste classique. Un peu comme Jigé, tu vois, c'est noir et Oui. blanc pour. Ça j'aime beaucoup aussi. Et c'est vrai que tu as fait une superbe aventure aussi en bande dessinée, mais qui est historique pirate, c'est les Campbell. Et ça, Ouais. c'est génial, parce qu'en même temps, ben, on retrouve le cinéma. Et c'est vrai que, comme je t'avais dit une fois, c'est-à-dire quand je suis dans les Campbell, je suis un grand film, c'est-à-dire que je me voyage avec les pirates, et c'est génial, quoi. Ah bah c'est super ça, c'est un super compliment. Oui, Bah justement, les Campbell, c'est pile ce que je te disais, tu vois, c'est quelque oui, chose oui. qui est vraiment, qui bouge. C'est surtout, c'est de la comédie, mais c'est aussi de l'aventure. Il y a un petit peu de drame, un peu beaucoup de l'humour et un peu de l'amour. Donc, du coup, ça te permet de basculer sur plusieurs lignes différentes. Et là, comme c'est moi-même qui ai écrit cette histoire, bah, par les coups, ça m'a permis justement de vraiment explorer toute cette espace d'amusement qui est finalement la bande dessinée. Mais c'est vrai que c'est tellement bien avec Campbell qu'on aurait presque envie de le voir soit au cinéma, soit en dessin animé. Parce que c'est vrai qu'on vit avec ces personnages qui sont super. Ah bah oui, mais écoute, on a cette tendance à dire, bah, ce serait bien qu'on fasse un film ou une série télé. Mais non, les bandes dessinées sont très bien aussi. Ah Et oui. même, ça vaut la peine aussi de parfois. Écoute, j'imagine pas du tout Lincoln de Moebius au cinéma. Ah non, ouais. Pour moi, ça serait une catastrophe absolue. Tandis qu'une bande dessinée, c'est magique. Pareil pour La quête de l'oiseau du temps et tant d'autres excellentes bandes dessinées qui, pour moi, sont presque intransférables dans un autre langage autre que celui des images statiques qu'on fait bouger avec l'imagination et avec notre intelligence. Et toi, tu as touché en même temps l'univers de Jay Dupuis, parce que tu as fait 4 albums de Spirou et Fantasio. Ouais, c'était une des chances totalement inattendues et étranges de ma vie professionnelle. Je suis un peu les Forrest Gump de la Oui. bande dessinée. Tu vois, je me promène et je suis dans les bons endroits au bon moment, sans Oui. savoir pourquoi ni comment. Et les choses m'arrivent un peu comme ça, au hasard, sans me rendre compte. Et c'est comme ça que Spirou et Fantasio est tombé un peu sur moi, au hasard. Avec Jean-David Morbin, on était appelé pour donner vie au personnage mythique de la bande dessinée belge. J'avais jamais rêvé à oser le faire, surtout qu'à l'époque, il n'avait pas laissé Spirou Boupard. Oui. C'était, tu vois, c'était hyper chic. Et bon, on s'est dit, bon, allons-y, façonne-les. Sans y réfléchir, de la seule façon où on peut faire les choses bien, c'est-à-dire stupidement, sans vraiment se poser des questions, en se disant, OK, allons-y, on verra bien ce qui se passe. Tant pis si on souffre un castagne monumental, au moins on y aura essayé. Et c'est ça qu'on a fait. Et c'était génial, génial. Et ça, du coup, ça m'a permis de vraiment étudier en profondeur les codes de la bande dessinée franco-belge. Et ça a été super intéressant en tant qu'expérience. Et ce qui est génial, suite à ça, tu as une grande porte qui s'est ouverte chez Dupuis, vu que c'est toi qui dessines maintenant. Mais en fait, tu as créé la série Zorgul. Et c'est Ah oui. génial. Bah, c'est génial, ça. Pas seulement chez Dupuis, ça a ouvert des portes Ah partout parce oui. que c'est comme un coup de projecteur, des lumières Ouais. qui tombent sur toi, qui t'illuminent, toi, dans ta triste personne, des dessinateurs un peu méconnus, tout d'un coup, tu es repéré par le monde. Et ça, évidemment, ça ouvre des portes.
Et c'est génial. Là maintenant, effectivement, j'ai la chance de pouvoir animer Sorglouc, qui est un personnage Oui. secondaire, bah, les méchants récurrents dans la série Spirou Fantasio. Et j'ai la chance de les pouvoir animer et au dessin et au scénario. Et j'ai totale carte blanche de la part de l'éditeur pour faire vraiment mon truc. Je m'amuse comme un malade. Et j'espère que cet amusement serait contagieux et que les lecteurs seraient contagiés par cet état d'esprit que j'ai quand j'ai fait ces histoires. C'est vrai que c'est magique parce que, en même temps, je travaille rapidement. Il y a eu 3 albums des Orgules en peu de Ouais. temps. On n'a pas le choix. Écoute, quand on est enfermé à la maison Oui, à dessiner tous les jours, c'est pas qu'on travaille rapidement, c'est qu'on fait que travailler, on fait rien oui. d'autre. Mais c'est vrai que je suis un dessinateur rapide comparativement à d'autres collègues. C'est une question de personnalité, de tempérament. Je n'essayais pas être rapide, c'est justement que je ne vais pas faire plus lentement. Quand j'ai ralenti un peu mon dessin, j'ai l'impression que ça bloque, que ça Oui. perd de la vie, que ça meurt en quelque sorte. Et donc je travaille rapidement, par une question purement de sensibilité. Tu vois, je dessine un peu dans les mouvements, dans l'énergie, comme si j'étais en train de jouer une pièce de théâtre devant une caméra, sauf que ma caméra, c'est un papier. Et mon acteur, c'est un crayon. Donc voilà. Et toi, ce qui se passe maintenant avec le Covid-19, est-ce que ça te donne des idées d'écrire vu que tu écris et tu dessines? Avec le confinement, tu veux dire? Ouais. Bah là, j'ai continué à travailler. Mais tu n'aurais pas une idée, d'un coup ça t'inspire pas de dire je vais essayer de faire une BD ou bien des Au trucs par rapport. fait, Non. j'avais écrit un début pour les Catherine Hagoun des Sorglouc. Oui. J'avais commencé à écrire une histoire avec un virus en tant que MacGuffin, en tant qu'élément déclencheur, et c'était très drôle. Mais à vivre ça de façon directe, c'est moins drôle. Oui. Donc, du coup, je me dis, bof, peut-être que je vais trouver autrement. Je vais trouver une autre idée parce que là, une fois qu'on est dedans, on s'est dit, ma merde, non, c'est pas bon. Non. C'est pas pour rigoler. Donc, voilà. Et là, sur quelle série de BD t'es en train de travailler? Là, j'ai fait l'adaptation d'un roman d'Herman Melville, l'auteur de Moby Dick. Oui. C'est un roman qui n'est pas très connu. Un roman court qui s'appelle Barleby, l'écrivain. En français, c'est Barleby, l'écrivain, d'ailleurs. D'accord. Ouais. Et là, ça, c'est pour Dargaud. Ça sera pour 2020 ans, cette bouquin. C'est un gros pavé de 70, 80 plupart pages, avec un dessin plus à l'aquarelle, un peu plus artistique Oui. que mon travail habituel. Et sinon, pendant les confinements, effectivement, j'ai travaillé sur un projet. Je ne peux pas te raconter rien pour le moment parce que ce n'est Non, pas non. encore officiel. Mais Oui. ça, c'est pour la rentrée, c'est pour septembre, donc ça sera officiel dans quelques semaines normalement. Mais j'ai profité vraiment de cette confinement pour avancer pas mal dans notre projet tout public qui verra les jours en septembre. Non, super. Bon, on serait juste de voir tout ça. Bah oui, bah, j'ai hâte de le montrer. Oui. Alors, je te remercie beaucoup, c'était très gentil. Bah écoute, merci de cet appel, ça fait toujours du bien de voir les amis. Même Ah si oui. c'est à travers un écran, mais Oui. bon, c'est quand même, ça donne l'impression de pas être totalement Seul, confiné au bout du oui. monde. Alors, super. Ben, merci beaucoup. À Merci tout à toi bientôt. et à tous tes amis de Facebook et compagnie. Merci Ciao. beaucoup. Ciao, ciao. Alors.